Enchantée. Eh bien, moi, je suis Joséphine, donc en design d'interaction à Strat. Je vais commencer par vous présenter rapidement mon parcours. Donc, je suis à Strat donc, depuis la première année en 2016. Donc. J'ai fait au cours de ces années-là, à part Strat, quelques expériences qui sortent du cursus, entre guillemets. Tout d'abord, un stage en 2018, donc mon stage ouvrier en Belgique dans une société d'import-export. Ensuite, mon stage de 4 mois en Inde à Strat Bangalore en tant que teaching assistant. En 2019, à janvier 2020, mon échange universitaire à l'université de Tsukuba, donc au Japon. Et depuis 2020, je travaille avec une équipe d'ingénieurs, on est tous bénévoles, sur un projet qui s'appelle Cerise, qui recense des ressources concernant l'environnement pour les professeurs de lycée. Tout d'abord, je vais vous parler donc brièvement de mon mémoire. Donc, avant ça, bon, je ne sais pas. Bon, voilà, je vais quand même rappeler ma question initiale qui était « La fierté est-elle un mal ?» Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous avez peut-être remarqué que l'écriture n'est pas mon fort, que voilà, je suis vraiment scientifique dans l'âme, donc c'était un exercice imposé que j'ai fait, mais ce n'était pas vraiment une partie de plaisir. Mais voilà, j'ai quand même tiré 4 grands enseignements qui m'ont ensuite emmené à ma question de designer. Le premier étant que dans les sociétés anglo-saxonnes de manière générale, en particulier aux États-Unis, l'estime de soi, le travail sur l'estime de soi est quelque chose qui est très très mis en avant et ça peut avoir des conséquences qui ont du coup la tendance inverse. Et par exemple, les professeurs, donc dans une de mes lectures, un des auteurs disait qu'aux États-Unis, les professeurs ont tendance à ne plus critiquer leurs élèves de peur de les blesser dans leur estime de soi, et donc de ne plus mettre en avant leur point de faiblesse, ce qui est essentiel pour progresser. Le deuxième point était que, sur la tendance totalement inverse, en France, en moyenne, dans une vie, on a 4 marques d'attention négative pour une d'attention positive. Donc vraiment du tout au tout l'opposé. Troisième point était que une reconnaissance extérieure non proportionnelle à la fierté qu'on ressent va avoir des conséquences parfois assez mauvaises sur l'estime de soi. On va se sentir comme une fraude, comme un imposteur et peut-être même culpabilisé du succès qu'on a, qu'on estime ne pas mériter. Et enfin, depuis maintenant quelques années, avec l'apparition des blogs et aujourd'hui des réseaux sociaux, on a tendance à de plus en plus privilégier les marques d'attention quantitatives que qualitative, donc ce qui est aussi pas quelque chose de bien pour progresser. Donc ma question de designer qui est, en tant que designer, comment assurer le rôle constructif de la critique? Donc le sujet, donc la critique, j'ai commencé par définir les termes de cette problématique. Donc en premier, la critique qui est la capacité de l'esprit à juger une chose à sa juste valeur, à discerner ses mérites, ses imperfections, ses défauts et ses qualités, et donc de la façon la plus objective possible. Et constructif, qui va contribuer donc à construire, à faire avancer et à faire progresser les choses de façon positive. Donc, aujourd'hui, en France, la critique, elle est souvent perçue comme quelque chose, comme un commentaire négatif, en fait, émis à l'égard de quelque chose, quel qu'il soit, que ce soit un travail, une personne, n'importe quoi. Et donc j'ai un peu reciblé ma problématique pour me guider, qui est donc dans un contexte précis, comment vais-je faire en sorte que la critique soit donc quelque chose qui fera toujours avancer les concernés et qui ne sera plus perçu comme quelque chose qui aura la vocation de casser la personne. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui faisait qu'une critique était constructive ? Ou qu'est-ce qui faisait qu'une critique n'était pas constructive? Donc c'est avant tout une question de point de vue. Donc il y a d'un côté l'interprète et de l'autre côté l'émetteur de la critique, et les deux doivent se comprendre mutuellement pour que la critique soit constructive. Donc ce gribouillis ici présent, est-ce que j'ai défini, ce que j'ai estimé comme ce qui était constructif? Donc c'est quelque chose qui va se passer entre les deux. C'est comment de chacun des côtés ils vont démêler cette bobine de fil qui va être le constructif. Je me suis ensuite intéressée à une technique de communication déposée qui s'appelle la communication non violente. On trouve très peu d'informations à ce sujet sur Internet parce que du coup c'est une marque déposée, donc j'ai acheté un livre qui concerne ça, dont cette image est tirée, qui s'appelle « Cessez d'être gentil », écrit par
Soyez vrai, écrit par Thomas d'Assembourg et avec des illustrations, donc cette illustration ici, d'Alexis Noyer. J'avais oublié. Donc ça, c'est avant tout pour montrer que la situation de la personne compte énormément lors de l'émission d'une critique. Donc tu me pompes l'air, est-ce que tu es fatigué? On se voit plus tard. Donc on voit bien que la personne émet sa critique de façon agressive parce qu'il est épuisé, à cet instant il en a ras-le-bol, il n'a pas envie de communiquer. Et donc c'est quelque chose que j'ai appelé un élément parasite. Donc cet oursin au milieu représente la critique, donc la critique qui est pleine de pics, qui sont justement ces éléments parasites-là, qui peuvent concerner le discours, le soi, donc son état, le public, l'environnement, plein de choses. Donc voilà, l'humeur, la fatigue, etc. Et l'objectif que je me suis fixé, donc aujourd'hui la critique est perçue comme quelque chose de négatif, et donc à l'avenir je voulais en faire quelque chose qui soit positif. Enfin, tout ça qui soit perçu comme quelque chose de positif. Donc toujours cet oursin, qui est donc la critique. Lorsque la critique va être émise, elle est chargée d'une certaine quantité d'éléments parasites qui, à la réception, va être encore plus évidemment chargée en éléments parasites vu qu'elle va dépendre également de nous, de la façon dont on va la recevoir. Donc le nombre d'éléments parasites va encore plus grandir. Et mon objectif de mon dispositif, c'est de donner aux utilisateurs les outils afin de prendre conscience de ces éléments parasites, de les prendre en compte, de savoir qu'ils existent, mais également de quand on reçoit la critique, de se dire « Ah, cette personne est fatiguée », et de réussir à en faire abstraction, pour qu'ensuite la critique ne soit, qu'on ait que l'essentiel de la critique, et qu'elle soit sans éléments parasites, qu'elle soit toute propre. voilà, donc ensuite il fallait que je choisisse un contexte dans lequel placer mon dispositif. Moi je me suis placée donc dans le contexte familial, la critique ça lâche le conflit, parce qu'un conflit naît souvent d'une critique et que dans le contexte familial, une critique peut très facilement s'envenimer et devenir en fait un conflit. Pourquoi je me suis placée dans le contexte familial? Je considère que le foyer, pas de façon générale, bien évidemment, on a tous nos différentes expériences et nos différentes familles, mais de façon, en tout cas souvent, le foyer est un lieu sûr, un lieu sécurisant où il sera plus facile de recevoir et d'émettre des critiques et d'apprendre ces notions d'empathie, d'écoute, de compréhension et d'expression également. Et ensuite, à terme, du coup, de pouvoir les exploiter dans le futur, dans le monde du travail, à l'école, dans les relations, et que ce soit des outils qui puissent nous servir pour toujours. Donc je me suis centrée sur deux catégories d'éléments parasites en particulier, qui étaient celles sur lesquelles il était le plus facile d'intervenir et de faire comprendre à l'entourage, qui étaient donc le discours et le soi. Donc le discours qui concerne plutôt le ton, les mots, la pertinence, le langage corporel et le soi, donc son humeur, sa fatigue, son stress. Voilà. Ensuite, j'ai donc précisé ma cible, qui sont donc les familles où le conflit est fréquent. Pourquoi ça? Parce que, tout simplement, les familles où il n'y a pas de conflit, les familles où tout va bien, on peut considérer que c'est des gens qui sont déjà, qui ont appris ou qui savent comprendre une critique, se mettre à la place de l'autre et donc constamment... plus facilement accepter une critique et où le conflit du coup ne naît pas. Je parle ensuite de l'adolescence qui est un point sur lequel je m'étais centrée au début. Ensuite je me suis élargie à la famille de façon générale, mais au début c'était vraiment la relation parent-adolescent qui est une période où les conflits sont plus fréquents. Et pour quelles raisons ces conflits sont plus fréquents? C'est parce que l'adolescent est son corps va subir de nombreux changements, qu'ils soient physiques ou hormonaux, et que l'adolescent est beaucoup plus sensible et aura tendance donc à réprimer et à mal vivre un message trop chargé en émotions. Donc émotions qui peuvent être également considérées comme des éléments parasites. Voilà. Donc la mission que je me suis donnée est mon cahier des charges. Donc la mission que je me suis donnée était donc d'aider les familles à prévenir les conflits stériles, donc les conflits qui ne vont amener à rien, et à l'inverse à rendre constructifs les conflits utiles. Donc mon but n'était pas du tout de supprimer les conflits, en leur fournissant un nouveau cadre de discussion,
c'est un nouveau cadre d'échange, en tout cas une nouvelle manière de dialoguer, et voilà, et aussi bien sûr un cadre sans éléments parasites, qui était tout le sujet de mon projet. Donc mon dispositif est un dispositif phygital, donc avec une partie qui concerne la communication et l'autre l'information. La partie communication est phygitale, avec une partie physique, donc comme vous pouvez le voir sur mon traceur, les poupées, et une partie digitale, donc comment on va interagir avec ces poupées. Et la partie informative qui aura un rôle de prévention et de compréhension, donc c'est quelque chose qui est né du coup de ce constat qu'à l'adolescence il se passait beaucoup de choses dont je n'avais pas du tout conscience, et en faisant des recherches je me suis aperçue de plein de choses que je ne savais pas et qui peuvent expliquer beaucoup de choses dans le comportement des adolescents. Et donc il était intéressant que les gens sachent tout ça. Et dans la partie communiquer, donc il y a connaître la situation de l'autre à l'instant T, à l'instant où sera émise la critique, je ne sais pas, et veiller à l'équilibre entre la critique émise et la critique reçue. Donc ce deuxième point est né des échanges que j'ai eus autour de moi, où je leur demandais qu'est-ce qui peut vraiment le plus t'agacer dans un conflit, et c'est le fait qu'on ne puisse pas en placer une, et que voilà, on se sente au tribunal et que voilà, l'équilibre ne soit pas du tout présent. Donc mon concept qui s'appelle Kazoku, la qualité, vraiment, ça c'est les vraies couleurs, hein, qui est donc une météo familiale qui aura pour vocation de veiller sur le bien-être de la famille et d'apprendre à tous les membres en tout cas améliorer les capacités d'écoute, d'empathie, d'expression de tous les membres de la famille. Je vais commencer par vous présenter les différents éléments. Donc déjà mon logo, Kazoku. Pourquoi Kazoku ? Donc Kazoku, ça veut dire la famille en japonais. Et qui est composé de deux caractères. Donc le premier K-I-E qui veut dire la maison, et le deuxième Zoku qui veut dire le clan. Donc c'est le clan de la maison. Et je trouvais que ces quatre petites poupées collées les unes aux autres, qui sont là constamment et qui sont là pour veiller sur le bien-être du foyer, que le clan de la maison, ça leur correspondait très bien. Donc c'est pour ça que je les ai nommés ainsi. Et puis également le choix du produit que j'ai fait, mais qui est japonais et que je vais vous expliquer juste après. Et pour le design de ce logo, donc la barre du K qui rappelle la forme du produit et les éléments de météo qui annoncent un peu le concept. Donc mon produit, la Kokeshi, qu'est-ce que c'est ? Donc la Kokeshi, c'est une poupée qui est apparue à la fin de l'ère Edo, donc vers 1800, au Japon, qui sont à l'origine des poupées pour les enfants, donc des jouets, et qui se sont fortement répandues au Japon et qui sont devenues vraiment des souvenirs et des objets qu'on peut trouver sur tous les marchés opus et vraiment pour un très bas prix. Moi-même, quand j'y étais en échange, j'avais très envie d'en prendre, mais c'était un peu trop volumineux. Donc c'est aussi un peu une manière de prendre ma revanche et d'utiliser cette Kokeshi pour mon projet. Pourquoi j'ai utilisé la Kokeshi ? Donc tout d'abord, elle a un visage. Donc comme vous l'avez compris, cette Kokeshi aura pour but de montrer l'état de la personne à l'instant T sur son corps. Et donc un objet avec un visage peut permettre donc de montrer des expressions, mais également peut être facilement transposable en avatar. Donc vu que j'ai également une partie digitale, c'était bien d'avoir un objet qui puisse facilement être une représentation de l'utilisateur sur l'application. Et deuxième point important, c'est son aspect vintage et décoratif. Donc je trouvais ça, bien que ce soit un objet qui ne soit pas trop intrusif, qui n'ait pas l'air d'un objet connecté, d'un Google Home, qui soit trop Black Mirror, quoi, et qui donc ne soit pas trop intrusif, et également tout simplement pour lorsqu'on a des invités, on veut peut-être que ça reste dans la sphère de l'intime, on n'a pas forcément envie que tout le monde sache qu'on a ce dispositif et que aujourd'hui notre adolescente fait la gueule dans sa chambre, voilà, que ça soit un dispositif qu'on puisse simplement éteindre et qu'elle devienne une Kokeshi normale dans le salon, donc qu'elle se camoufle. Donc voilà, maintenant je vais vous raconter l'histoire du parcours d'une journée d'un des utilisateurs de ce dispositif, donc Anaïs, qui aujourd'hui a eu une super note à son bac blanc de maths, donc qui est super contente. Et en rentrant du lycée, elle va donc ouvrir son application Kazoku pour renseigner sa météo du jour.
Donc elle va, là je vais faire un petit effet. Elle va donc ouvrir Kazoku, donc son application. Donc la partie du bas qui comme on le voit ici sur le traceur, est la partie qui concerne l'information, donc la partie qui est uniquement digitale et qui va avoir pour but d'apprendre aux gens ce que c'est que la communication non violente, donner plus d'informations sur l'adolescence, etc. Et la partie Kazoku qui va donc être vraiment le dispositif et l'interaction avec la Kokeshi. Donc elle va cliquer sur Kazoku. Et là, elle va avoir accès donc, de nouveau à deux menus, donc avoir accès à la météo familiale, donc pouvoir voir l'état de tous les membres de sa famille et à son profil. Donc elle va commencer par regarder la météo familiale. Elle voit qu'aujourd'hui son père est énervé et que son petit frère est triste. Et elle va ensuite du coup aller sur son profil où elle va vouloir renseigner sa météo du jour. Donc sur l'interface, il va lui être demandé donc, de choisir un icône qui correspond à sa météo du jour. Donc chaque icône, pourquoi j'ai choisi la météo d'ailleurs, c'est parce que tout simplement dans les BD, dans n'importe quel film ou dessin animé, les humeurs sont souvent représentées par la météo et ça me semblait être un langage des émotions, un alphabet des émotions assez clair pour exprimer tout ça. Et puis assez graphique, donc facilement transposable ensuite où je le voulais. Donc aujourd'hui, vu qu'elle a réussi son bac blanc, elle est très joyeuse, donc elle va sélectionner ça et elle sera ensuite emmenée vers un chatbot qui est en fait, elle communiquera avec son alter ego d'une certaine manière, avec son zoku, parce que Kokeshi, je trouvais ça un peu compliqué à dire, donc j'ai décidé que ça serait les zoku. Et le zoku va essayer d'affiner cette météo pour jouer ensuite sur l'intensité de cette dernière, de voir si elle peut être peut-être nuancée, peut-être mélangée avec une autre météo, des choses comme ça. Aujourd'hui, donc, Zoku lui demande « Coucou, alors quoi de beau ?» Anaïs lui répond qu'elle a une super note en maths. Et là, Zoku va essayer de comprendre est-ce que c'était vraiment un contrôle important pour également jouer sur l'intensité de cette météo. Et effectivement, oui, c'est important vu que c'était son bac blanc. Donc ensuite, la météo apparaît et aujourd'hui, en ce 19 mai 2021, il fait grand soleil et donc une météo arrive au-dessus de l'avatar de Anaïs, donc le Zoku Anaïs. La météo apparaît. Donc ensuite, automatiquement, l'information sera transmise à sa Kokeshi chez elle. Et voilà, ce genre d'animation, bon, c'est un petit gif qui peut montrer du coup à quoi pourrait ressembler l'interface, enfin les visuels de chaque émotion sur chaque Kokeshi. Donc une pluie battante si jamais la personne est très triste, ou des éclairs qui bougent beaucoup, etc. Ensuite, pour la façon dont cette Kokeshi sera réalisée, bon, je me projette un peu, hein, je vous avoue. Donc pour la partie du visage, pour faire bouger les expressions, sachant que c'est un objet en bois, je posais pas mal de questions. Mais au final, je me suis dit qu'un écran e-link, donc à encre liquide, en petites portions, ou alors un écran, vu que maintenant on peut faire des écrans souples, un écran qui prendrait la forme entière du visage, et qui, en fait c'est possible, je ne le savais pas, mais les encres e-link peuvent aussi être de couleur, donc pourquoi pas avoir la tête intégralement en cette interface-là et qu'elle soit couleur bois pour le fond et qu'ensuite les expressions du visage puissent changer pour chaque météo. Et pour l'autre côté, que ce soit tout simplement des LED qui apparaissent en transparence du bois pour avoir un aspect assez joli. Moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, donc Anaïs rentre chez elle et quand elle passe devant, il y a en fait des légers sons qui vont être émis, caractéristiques de chaque météo. Donc si la personne est énervée, un petit grognement, si la personne est contente, un petit rire. Et que ce soit pas trop intrusif, mais simplement pour forcer pour que spontanément la personne tourne la tête et prenne conscience de l'état des membres de sa famille. L'objectif ici est donc d'ouvrir une nouvelle forme de dialogue. S'il y a une météo un peu différente, un peu extrême, un jour, ça va ouvrir le dialogue. Donc Anaïs aujourd'hui se questionne pourquoi sa mère est si fatiguée aujourd'hui, alors que d'habitude elle ne l'est pas forcément. Mais ça va également, donc comme je l'avais dit précédemment, empêcher des conflits stériles. Donc aujourd'hui, Gaëtan se rend compte que ce n'est pas vraiment le moment de demander de l'argent de poche à sa mère, donc
il va décider de reporter ça pour une autre fois. Et bon, vu que la maman de Anaïs et Gaëtan est quand même super tendue et fatiguée aujourd'hui, il y a quand même un conflit qui éclate. Voilà, c'est pas très Covid. malgré tout, je peux pas empêcher le conflit d'exister. Donc si le conflit doit avoir lieu, c'est qu'il a raison d'être. Et alors, c'est là qu'intervient mon deuxième point du cahier des charges, qui était d'équilibrer donc la critique. Et la coquetterie va se transformer en bâton de parole. Donc à partir du moment où elle sera prise à l'aide d'un gyroscope, elle s'activera automatiquement, et c'est alors que le temps de parole des deux sera mesuré en fonction de s'ils ont la coquetterie dans les mains ou non. Et ainsi donc équilibrer le dialogue pour que le conflit ne soit plus unilatéral et soit vraiment partagé et équilibré. Et enfin, pour terminer, donc je vais montrer la deuxième partie de l'application, donc qui est Kezako, mais qui est relativement simple. Donc on va simplement cliquer sur Kezako et on aura accès à différentes catégories d'informations. Donc Kezako, la communication non violente, Kezako, l'adolescence, Kezako, une bonne engueulade, Kezako, une critique constructive. Voilà. Je finis sur un visuel de mon concept. Très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais garder ça au cas où. Ce projet assez complet. Et il y a des points que j'ai pas mis. Hein. Alors, vous allez nous entendre. Ok. Si mes camarades du jury ont des questions. Merci pour la présentation. J'ai assez bien compris l'exposition de la problématique. Je me demandais si dans. J'ai moins perçu, peut-être parce que vous en avez en parlé, sur la phase d'exploration pour finalement calibrer votre problématique. De designer ou de mémoire? De designer. De designer, oui. Oui. On parle du méthodologique quand vous allez explorer, sous le niveau là, vous allez rencontrer des gens, interviewer des personnes, etc. La question de designer, ça se fait relativement rapidement. Après, a posteriori, une fois que j'avais ma problématique, où j'ai discuté avec quelques psychologues et des adolescents, parce que c'est vrai qu'au début, en fait, surtout des adolescents, parce que je m'étais centrée sur ça au départ. Mais bon. C'est vrai qu'ils ne m'ont pas donné des verbatims super intéressants. Mais ça a été quand même beaucoup d'exploration de mon côté, c'est vrai. Mais j'ai échangé ensuite beaucoup avec les gens de mon entourage. Bah, c'est un contexte qui touche tout le monde, la famille, donc c'était relativement facile d'en discuter avec n'importe qui. C'est des sujets intéressants aussi à explorer autour de la culture du feedback, hein, qui est un outil utilisé aussi en entreprise et qui est une forme de communication non violente. Comment gérer une critique constructive de manière positive, donc avec une syntaxe appropriée, etc. Voilà, ça m'a fait un peu penser à ça. Et après, je me posais une question, c'est... En fait, j'hésite un peu entre... justement c'est top, c'est un chouette outil, ou alors peut-être dans certains cas, parce que ça ne crée pas à l'inverse du stress d'anticipation, on essaie qui rentre le soir et qui voit que son père est énervé, enfin qui le voit sur son appli, c'est que son père est super énervé, enfin voilà, que ça ne crée pas justement de... Je me demande dans quelle manière ça rentre en résonance aussi avec les démarches empathiques, etc. Parce que c'est un nouveau outil qui va me communiquer. C'est vrai que peut-être ça va couper la conversation, justement. Oui, j'aurais aimé effectivement le confronter à plus de gens pour bien sûr étayer tout ça. Mais voilà, j'ai été bloquée quand même pendant très longtemps sur ce projet. Donc je m'y suis mise. J'ai fait ça en un mois, quoi. Donc c'est relativement rapidement. Et
un mois comptant la semaine qui a précédé la soutenance, donc qui était le traceur, la présentation, etc. Et votre avis là-dessus ? Moi, mon avis, c'est que si on... En fait, je trouve ça super intéressant que chacun, on se pose nous-mêmes la question de comment on va aujourd'hui, et qui est quelque chose qui peut aussi nous aider à comprendre nous-mêmes nos réactions, dans le sens où, je prends l'exemple de mon père, du coup, vu que vous demandez mon cas à moi, qui, quand il a trop de travail, il est fatigué, on le sait tous, sauf lui. C'est le seul à pas s'en apercevoir, en fait. Et que, du coup, se poser cette question va aussi pousser la personne énervée à... Il sait qu'il est énervé, donc il va aussi se retenir peut-être d'une certaine manière d'émettre des critiques, alors qu'il sait que ça ne sera pas ce qu'il veut dire ou que ça sera trop agressif. Enfin, voilà, de se poser la question soi-même, c'était un point que d'ailleurs je n'ai pas noté, mais que j'aurais dû, qui était essentiel, qui est vraiment de là qu'est né aussi tout ce projet, qui était de prendre soi-même conscience, en fait, et encore plus important que de montrer aux autres. C'est... Alors, en fait, c'est le début de l'interaction empathique, justement. C'est connaître soi-même. Exactement. Oui, c'est ça qui est intéressant dans le projet. Mais j'ai oublié de mettre plein de choses. Je suis vraiment désolée. La thermalisation aussi, c'est très intéressant parce que c'est le début de la capacité à conceptualiser, à mettre des mots sur les choses, et même si c'est. Si c'est pas parfaitement exact, si les émotions sont toujours subtiles, etc., ça donne toujours des clés, quoi. Des clés, ça permet de voir des portes. Donc ça, c'est intéressant, et le caractère simpliste, au bon sens du terme, de la poupée, ça, je trouve assez intéressant. Donc vous disiez que vous avez été, j'ai oublié votre question, vous avez été bloqué sur le projet, si ça vous dit, pendant très longtemps, j'ai pas mal pataugé, ouais. Alors est-ce que c'est au niveau du mémoire, ou est-ce que c'est au niveau de cette partie-là? Et ça m'amène à la question des pistes que vous auriez, pensées et que vous avez abandonnées, et vous dire un peu mieux bah, comment vous avez choisi cette piste-là. Le mémoire, j'ai pataugé, mais ça c'est vraiment purement parce que je sais pas rédiger. Mais, enfin, vous l'avez fait, donc arrêtez de dire que je l'ai fait. Exactement. Ah oui, pardon. Et sur le projet, non, j'ai été bloquée parce que, en fait, je suis très 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 autocritique. Et dès que j'avais un bourgeon, je le coupais tout de suite, quoi. Donc voilà, pendant très longtemps, j'ai été un peu ankylosée et voilà, j'arrivais pas à bouger. Pourquoi vous avez choisi ce bourgeon-là ? Par rapport à d'autres bourgeons que vous avez rejetés ? L'urgence, peut-être, déjà. Non, bah, je sais pas, c'est à partir du moment où j'ai discuté avec des professeurs, bien évidemment, qui m'ont dit vas-y, fonce, c'est pas grave, essaie plus de couper toi-même le bourgeon, attends que les gens le coupent pour toi, quoi. Et donc je me suis lancée, j'ai fait quelque chose qui m'amusait, j'ai habité au Japon, j'y suis retournée en échange, et c'est voilà, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et de toute ma scolarité à Strat, je n'ai fait aucun projet en rapport avec le Japon. Et du coup... j'avais envie de faire un truc en rapport avec le Japon pour me donner cette petite étincelle qui, je savais, m'aiderait à travailler dessus. Et au final, je suis très contente de ce que j'ai fait. Et voilà. Très bien. Ouais, non, vraiment. À partir du moment où j'avais mon idée, je me suis vraiment amusée, quoi. Très bien. Voilà. Et donc, vous disiez que vous n'aviez pas eu le temps de tester auprès de personnes produits. Alors, je ne l'ai pas testé, j'en ai parlé beaucoup autour de moi, juste mes amis, même ma mère a commencé à en parler autour d'elle. Et de manière générale, les gens étaient quand même vraiment intéressés. Ouais. Et vous avez pu intégrer des remarques que vous avez faites dans cette présentation-là, ou elles sont venues à côté, vous n'avez pas pu les intégrer, ou elles n'étaient pas pertinentes? Ah si, bah des remarques, j'en ai eu tout du long, donc si, bien évidemment. Déjà, le chatbot, à l'origine, j'étais pas du tout certaine que ce soit une bonne idée. Je me demandais que au début, j'avais prévu que ça soit simplement nous-mêmes qui choisissons notre intensité de fatigue, notre intensité de joie, etc. Et c'était en fait beaucoup trop méthodique, et donc j'ai échangé avec Damien qui c'était une idée que j'avais, le chatbot, mais j'étais pas certaine, et il m'a confortée dans cette idée-là. Oui, non, si, bien sûr, j'ai eu des retours tout du long qui m'ont aidé à concrétiser ça, quoi. Voilà. Et chez toi, justement, parce que là, tu l'as partagé chez toi. De quoi? À ton père, justement, t'as vu?
Mon père, le seul à pas l'avoir vu. il est tout le temps dans le sud, mais. C'est intéressant. Parce que lui-même est très critique, donc je sais qu'il faut pas. Il est très créatif aussi, donc il m'aurait juste dit oh, tu devrais faire ci et ça et ça. Parfois c'est bien, parfois c'est pas ce qu'il me faut. Voilà. Et par rapport au projet que dans lequel vous êtes, là, Cerise. Oui. Il y a toujours des connexions souterraines, des connexions de la conscience. J'entends pas que. Des connexions souterraines entre les différents projets auxquels on peut penser. Comment vous. Alors de manière générale, bon là je sais pas si on peut considérer que c'est éducatif d'une certaine manière si vu qu'on va. Bah, y a quand même toute la partie de Kezako qui concerne l'éducation forcément à des choses. Et puis tout simplement apprendre à développer l'empathie, apprendre à écouter, à s'exprimer, etc. Et c'est vrai que l'éducation, de manière générale, c'est quelque chose qui revient dans pratiquement tous mes projets. Je sais pas si Cerise... Bien sûr que ça m'a séduite quand on m'a proposé de les aider, que ce soit un projet qui concerne l'éducation et l'environnement. Voilà, ça m'a tout de suite intéressée. Mais ce n'est pas une idée qui vient de moi. C'est des étudiants qui m'ont proposé de participer, donc... Mais sinon, de manière générale, tous mes projets ont la vocation d'apprendre quelque chose ou de changer un comportement, des choses comme ça. Voilà. Il est sur l'iPad et en version anglaise et il date de la troisième année, mais je pourrais vous laisser mon portfolio après. Messieurs, vous avez des questions ? Non, plus à la limite, une remarque. Non, mais moi je trouve le sujet hyper intéressant et je trouve que par rapport à la critique constructive, je trouve ça malin et je trouve ça intéressant d'être allé sur le terrain de la famille parce que la famille a une dimension très émotionnelle dans les conflits, enfin, qui est d'autant plus renforcée dans la famille, où il y a moins de relations rationnelles qu'à la limite entre amis, même si les conflits entre amis sont souvent d'ailleurs aussi très émotionnels. Après, moi je partage aussi un peu la vie de Sophie sur la partie de qui en fait doit au fond faire son travail personnel et intérieur. Voilà, je me pose la question et j'aurais tendance à peut-être à challenger un peu cette dimension-là et à vouloir creuser ça peut-être avec des gens justement d'aller peut-être un peu plus poser la question aux gens de est-ce que c'est moi qui dois être prévenu que l'autre va m'agresser ou est-ce que le conflit ne démarre pas justement quand l'autre me dit quelque chose que moi je prends mal parce que moi je suis dans un état d'émotion que je ne connais pas et c'est là où je trouve que effectivement ça marcherait très bien. Mais peut-être si on inversait en fait la cible et que c'est pas tant moi je prends conscience que mon père est énervé, mais que moi, en me posant effectivement la question de dans quel état émotionnel je suis, si je sais que je suis énervé, je sais que potentiellement je peux mal réagir à une remarque qu'on va me faire. Et c'est peut-être d'abord là en fait que le travail démarre. Et après, à la limite, si chacun fait son travail, après peut-être que les tensions disparaîtraient. Voilà, mais cette question-là, je pense qu'en fait, il faudrait peut-être la poser effectivement. C'est vrai. Et ça empêche qu'à la fin, il y a peut-être une dernière question, un aspect que je trouve intéressant. Bon, déjà, c'est le potentiel, parce que tu parlais du monde du travail. Enfin, on peut imaginer des potentiels d'éducation ailleurs que dans le cercle familial, donc ça, c'est assez intéressant. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est que vous revenez à. Un de mes camarades parlait tout à l'heure, au totem. Au dieu du foyer, à ce constant, mais l'idée de l'avatar et de la famille puisse arriver à se représenter dans des objets, à mettre en scène ces interactions, qu'il puisse y avoir un attachement comme ça, c'est des sortes de totems, c'est chaque. Des sortes de vieux larves du foyer qui veillent sur le foyer, ça aussi, du coup, ouais. c'est une piste pour. Alors, pour le coup, même si c'est pas mon domaine, je pense encore plus de designer. Sur le fait de comment est-ce que une famille se projette dans des objets et se représente et qu'est-ce que du coup ces objets peuvent faire. Je vois qu'il y a le petit frère, la grande sœur, machin, etc. Est-ce qu'ils sont évolutifs Alors ça c'est un point que je n'ai pas mis dans ma présentation, mais qui est important, qui est donc sur que devient Kazoku sur toute une vie. Ouais. Et je me suis posé la question, donc il ne peut pas vraiment évoluer. La kokichi est un objet peint, etc. Donc,
peut-être il y aurait une dimension un peu personnalisable sur les couleurs, etc. Peut-être que chaque au moment où on reçoit le dispositif, chacun pourrait choisir donc la couleur qu'il mettra à tel ou tel endroit. Et peut-être au cours de l'utilisation, un jour Gaëtan a fait une marque de feutre ou je ne sais quoi, enfin que ce soit un objet qui soit aussi marqué par le temps, mais que dans une ville, le petit frère reste le petit frère, la grande sœur reste la grande sœur et les parents restent les parents. Et que du coup, les objets ne changent pas de taille ni de visage, gardent aussi ce côté t'es le petit frère. Enfin, et je trouvais ça amusant. Vous avez un petit frère, oui. Alors, le petit frère que je suis proteste énergiquement. Non, mais je comprends. Il y a d'autres choses aussi, c'est la spatialisation. Enfin, le fait qu'une famille, un de ses problèmes, c'est d'être unie, et les moments où elle est unie, les moments où elle est désunie. On va parler des divorces, évidemment, et tout ça. Et donc, il y a peut-être des potentiels aussi sur... Oui. C'est, voilà, quand quelqu'un de la famille a envie de mettre le papa à l'autre bout de la pièce, la maman et les enfants bien collés, ou l'inverse. Oui. Un peu comme une crèche. Activé, aussi comme alerte, comme la spatialisation Ben ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais un autre point donc, sur la distanciation, c'est que du coup, on grandit et les enfants quittent le foyer, bien évidemment. Et donc, les parents qui se sont procurés le dispositif gardent. Ils ont quand même le rôle de veiller sur leur famille. Ce sont les parents, donc, enfin, pas forcément, mais dans l'idée en tout cas. Et donc, qu'ils puissent garder la famille avec eux et que parfois, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, le dispositif se. Avec le temps, on n'aurait plus trop l'envie de compléter notre météo quotidiennement. Mais que de temps en temps, on se sent très joyeux ou triste. Et là, on leur renseigne. Et alors, les parents prennent tout de suite conscience de « Oh, aujourd'hui, Anaïs va pas bien. » Et donc, un coup de fil. Où j'y pensais en prenant mon cas, quand j'étais en échange au Japon, qu'à distance, eux puissent quand même avoir accès en temps réel à ma météo. Et que du coup, il y a un moment, j'ai un coup de blues. Je n'appelle jamais mes parents, eux ne m'appellent jamais. Et donc... que c'est vrai que ça aurait été sympa que ma mère s'aperçoit qu'aujourd'hui je suis super triste et que du coup elle m'appelle pour prendre des nouvelles ou voilà quelque chose comme ça. Ça ou à l'inverse. Dans les contes de fées. Quand deux personnes se donnent un objet et puis l'objet se détériore, l'autre très loin, il lui arrive un malheur. C'est assez intéressant. Voilà, ça c'est une partie que j'ai pas pu mettre dans la présentation mais qui était une partie quand même assez importante. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on est dans les temps. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.